Et salut tout le monde, ici Madrid500 et aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2015 pour une nouvelle vidéo de passion. Et aujourd'hui, chers amis, comme vous pouvez le voir, je suis en train de presser et puis je suis en train de me battre avec une botte. Reste ici, toi. Non, je veux pas rester là. Bon, c'est pas grave, tu t'arrêteras bien. J'ai pas envie qu'elle ait minimum de RP quand même. Voilà. Donc les amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvel épisode. Bon, en tout cas, ça va nickel, j'espère que vous, ça va bien. Pas de nouveauté au niveau de la map. Voilà, on va commencer comme ça. Oula. L'engrenage a été un peu gros. Donc aujourd'hui, pressage, les amis, on presse enfin l'embannage. Donc, qu'on avait fauché. Il y a trois épisodes, la boîte est pleine. Tac, voilà. Et donc du coup on presse ça avec le IH parce que j'ai pris le IH parce que pas mal d'entre vous voulaient que j'utilise le IH. Donc du coup j'ai dit je vais l'utiliser pour faire un pressage. Du coup voilà, j'utilise le IH. Je voulais d'ailleurs prendre la presse Galignaghi parce qu'elle a vraiment des bons scripts, mais je vais rester plutôt sur la John Deere que je vais remodifier un peu. Parce que je trouve la John Deere beaucoup plus sympa pour mon exploitation sur passion. Voilà. Et puis la Galignali, on l'a sur la série multijoueur avec Luc. Donc du coup voilà, on la verra. D'ailleurs la John Deere est tout aussi sympa. Hop, une nouvelle botte, mon dieu. Il y a beaucoup de bottes, ça fait plaisir d'avoir autant de rendement. Ça fait plaisir. Donc je fais des bottes de 140 de diamètre. Pour ceux qui se demandent hein. Et du coup voilà, alors donc les amis, une nouvelle vidéo gameplay de Farming 17 est sortie d'un youtubeur, donc de Kadarol, un youtubeur allemand, ouais, un youtubeur allemand, oui. Qui teste pas mal les jeux de simulation agricole ainsi que d'autres jeux, il me semble. J'ai pas trop regardé sa chaîne, enfin je sais qu'il a sorti une vidéo gameplay sur Farming 17 et il montre un peu le labour, tout ça, il montre un peu le matériel, enfin le train, tout ça. Et j'ai pas trouvé que Farming 17 j'ai pas trouvé extra. En fait j'ai plus trouvé que c'était un DLC de Farming 15 plutôt qu'autre chose. Ça c'est mon ressenti à moi, personnellement. Après vous laissez un commentaire, voilà, pour donner votre avis, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup, il y a de quoi se poser des questions. Les géants se foutraient-ils pas un peu de nous, parce qu'ils nous ont annoncé quand même des nouveautés importantes qu'on ne voit pas dans les vidéos gameplay. Donc du coup, il faut vraiment se demander s'ils y sont. Parce que là, moi, des trucs que je voulais voir absolument, je les ai pas vus. Et pourtant, il y avait une vidéo qui montrait. Et donc du coup, je pense que dans les vidéos gameplay, normalement, on devrait le voir. Or, là, on les voit pas. Donc, du coup, voilà, il y a de quoi se poser des questions. Enfin bref, j'attends encore des vidéos pour bien juger, mais... Pour moi, je crois que FS17 c'est mort, donc je pense qu'il n'y aura pas de série sur FS17 sur ma chaîne. Ah là là là, plus sur Cattle Crops si ce jeu sort, parce que pour le moment, on n'a plus de nouveautés, quand même assez triste. Hein. Donc allez hop, on presse. Un dieu, je me suis mis à 8 km à l'heure parce que ça va tellement vite à remplir que j'arrivais pas à suivre, et du coup, on va mettre peut-être un peu plus loin les bottes. Alors excusez-moi, je suis un petit peu en vue extérieure. La presse n'a plus de filet. Change le filet. Allez à l'arrière. Oui, du coup. Hop. Allez, on change le filet. Alors c'est la touche O. Non. C'est pas la touche O. La touche R. Ouais, c'est la touche R. La touche R. Et là c'est la touche B. Ça va me coûter 500 euros pour deux filets. Ah quoique, oui. Ah merde, si je le referme pas, ça va pas le faire. Excusez-moi. Éternué. Aujourd'hui, j'ai fait de la débroussailleuse à la ferme, donc du coup, un peu fatigué. Ça doit peut-être s'entendre au niveau de ma voix, donc du coup, je m'en excuse. D'ailleurs, la vidéo a ressorti un petit peu en retard.
Bah parce que j'ai été pas mal occupé et du coup bah voilà, pas pu tourner la vidéo en temps et en heure. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. D'ailleurs, je vous fais plaisir en jouant avec le IH. Chose que j'aime pas trop jouer en vidéo parce qu'après on va dire que je fais ça pour narguer alors que c'est pas vrai. Enfin bref, voilà. Donc j'aime pas trop jouer avec le IH en vidéo parce que voilà, il y a toujours des personnes qui viennent critiquer après et je n'aime pas trop ça. Enfin bref, voilà. Donc du coup sur la map, niveau de la map, les gens, j'ai remappé. Bon, j'ai pas encore remis à jour, je le mettrai à jour pour la prochaine vidéo. Donc j'ai remappé, j'ai fait une bonne partie des forêts et j'en suis content. Et donc du coup, la prochaine fois, les gens, on verra donc les nouveautés sur la map. Et j'espère que vous allez les apprécier parce que moi, j'ai testé vite fait comme ça et sérieux, ça change. Alors par exemple, tout là-bas, on voit les arbres et ça rend super bien. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être mettre la mage... Pour cette vidéo parce que vu qu'il y a de belles vues, ça aurait été sympa d'avoir un... Enfin il y a déjà une belle vue. Ouais. Ah, bien Dieu, il y a déjà pas mal de bottes là. On va faire du bon ramassage. Ça c'est bon. C'est bon. D'ailleurs il faudra changer les routes de cette presse parce que ça ne va pas. Enfin bref. Donc allez, hop, on continue, on va peut-être accélérer un petit peu parce que là c'est un peu mou du. Hein. On va se mettre à 12, on va presser à 12. 12 c'est la moyenne généralement. Surtout pour de l'enrubanage c'est déjà vraiment pas mal. 8 j'étais bon. 8 km à l'heure c'est bon, ça faisait des belles bottes. Donc, du coup c'était bien. Voilà. Là on va peut-être se faire une petite photo. Voilà, on va se faire comme ça. Comme ça. Hop. On fait la presse qui sort. Enfin la presse, la botte. Tac, voilà. Jolie petite photo. C'est pour la page. Hein. C'est gratuit. Voilà. Tac. Allez hop. On poursuit le pressage. Voilà. Tac. Bien. Ah ben c'est tout bon tout ça. Oula, un petit lag là. Alors on va se mettre un peu du cabine. Un petit peu du cabine. Donc du coup il y a déjà pas mal de bots là. Ça fait plaisir. Ça veut dire que les rendements ont augmenté par rapport à l'an passé. Du coup ça fait plaisir, les efforts sont récompensés et j'espère que d'ailleurs ça va continuer sur cette voie là parce que rien envie d'ailleurs. Attendez, on va regarder. Ah non, j'ai rien mis sur cette parcelle. Ah ouais, d'accord. Non, en fait sur cette parcelle c'est le même rendement que l'an passé. C'est juste moi qui, oui, je fais des bottes plus petites. Alors à mon avis là où on a mis de la chaux, ça va cracher des bottes. Ça a craché des poils. Rien de Dieu. D'ailleurs, on épandra de la chaux après sur cette parcelle. On épandra de la chaux, du lisier, parce que ma fosse est pleine. Là, il faut que je me retrouve un tonneau à lisier. Parce que j'en ai plus. Je me suis débarrassé du 18 000 litres, du Josquin. Et je vais en prendre un 15 000. Ça sera plus raisonnable, je pense. Donc, on va lâcher la botte. Voilà. Et hop, c'est reparti. Ouais, au final, quand on regarde de plus près, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de bottes que ça. Bon, après, c'est la première coupe, hein. Elle vient de pousser, donc c'est normal. Hein. Bon, on essaye de justifier, mais le fait, c'est qu'on n'a rien foutu sur cette parcelle, et puis voilà, quoi. Et moi qui disais juste avant, y a du rendement, nos efforts sont enfin récompensés, on regarde. Ah merde, le pH est toujours à 5, ah merde. Ah oui, bah en effet. Oh mon Dieu. Dans quelle étape on se met pour ce jeu? Oh. C'est pour ça, j'espère quand même que FS17 nous réserve quand même des surprises parce que c'est quand même un jeu où on joue depuis 2008 quand même, c'est pas rien quoi. Pourquoi ils nous déçoivent comme ça? Pourquoi? On mérite pas un tel shot. Oh, c'est vrai. Hop, encore une botte. Une petite babotte. Hop, mes vaches auront de quoi manger cet hiver. Oula, vite, ferme, merde. Tac. Voilà. Bien, ben tout ça. D'ailleurs, les amis, si je refais pas de vidéo de farming cette semaine, je vous annonce qu'il y aura sûrement un live ce week-end. Donc voilà.
Sûrement un live ce week-end, plus sur le dimanche que le samedi. Après, il me semble. Oui. Dimanche, oui, c'est sur le dimanche. Oui, donc du coup, voilà, il y aura un live sur FS. Donc, toujours pareil, le gameplay. Je pense qu'on sèmera du maïs parce que je me suis trouvé un petit ensemble de maïs vraiment sympathique. Vous allez voir avec des bons scripts. Bon, c'est pas un truc que j'aurai dans la ferme, mais au niveau de l'histoire, ça sera une ETA qui va venir. Donc du coup, vous allez voir, j'ai envie vraiment de vous montrer, c'est soit en live, soit en vidéo de toute façon. Donc du coup, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous réserve donc la surprise. Surprise. Voilà. Allez, en tout cas, on a fait notre deuxième mandat. Ça fait quand même un beau petit ensemble, il y a chez la presse. Je vois pas pourquoi je l'ai jamais mis. Et oui, c'est parce que j'aime pas beaucoup jouer avec le tracteur là en vidéo. J'aime aussi pas beaucoup le prendre en photo. Après, les photos, je l'en prends parce que voilà. Celui qui est pas content, il a qu'à pas regarder. Moi, au final, c'est pareil pour les vidéos. Celui qui est pas content, il regarde pas. Ah là là. Oula, la boîte est prête. La boîte est prête. Et on est déjà à 12 minutes de vidéo, les gens. Déjà 12 minutes, on va essayer de faire une vidéo de. Ouais, une petite vidéo, hein, parce que je vous en fais des grandes là en ce moment. Je dis ça, puis à mon avis, c'est des vidéos de 15 minutes comme d'habitude. Ah là là, en tout cas, la partie là, elle avance super bien et ça fait plaisir. On va peut-être se refaire une petite photo là. Ouais, on va se faire une petite photo, tiens. Tac. Voilà. Tac. Une petite photo comme ça. Ouais, ça rend bien comme ça. Faudrait que je mette la scissure sur la presse. Mais il me semble qu'elle y est. Oui, elle doit y être. Elle doit y être, c'est juste moi qui l'ai lavé. Elle est toute propre du coup. Voilà, elle est toute propre pour une fois que j'ai du matériel propre. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on lave le semoir, les gens. Faites-moi le repenser en commentaire. On le fera peut-être en live. Live spécial nettoyage. Comment laver un semoir et un tracteur? Parce que le tracteur en a besoin aussi. Merde, la botte elle roule. Arrête-toi, botte. Voilà, c'est comme ça que je fais en vrai aussi. Quand je les lâche mal. Oh là là, c'est comme si j'en avais pas fait assez en vrai. Bon, voilà encore en train d'en refaire dans le jeu. Quand même incroyable. Allez hop, tac. Ouh, la petite botte là-bas elle a roulé. D'ailleurs, il faudra que je pense à trouver une rubaneuse. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre encore comme une rubaneuse. Choix compliqué. Il faudrait une rubaneuse qui fasse des bottes de 140 quand même. Parce que j'ai pas envie qu'elle me les retransforme en taille 120. J'ai pas envie d'avoir des petites bottes. Allez, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Je sais que tu roules, mais je t'ordonne de t'arrêter. Bon, celle-là, elle est contrariante. On va la laisser rouler. De toute façon, elle s'arrêtera au niveau des fils. C'est pas trop grave. Allez, hop. On poursuit, on poursuit, on poursuit. Tac. Mais ça va, il y a quand même de la botte. Il me semble qu'elle a un compteur, cette presse. Il y a de la balle, hein, presse. Bon, on va quand même regarder. Donc, je laisse... comment ça s'appelle ça? Le HUD, il me semble, ça s'appelle comme ça. Enfin bref, le truc où il y a kilomètre à l'heure tout, parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir quand la botte est prête, parce qu'en fait, j'entends pas le bip, vu que mon son est pas trop fort au niveau du jeu, parce que si je le mets trop fort, après, il est trop fort au niveau des vidéos, et puis, on m'entend plus, et pour faire une bonne vidéo, ben, il faut qu'on entende le gars qui parle, parce que sinon, il y a aucun intérêt, enfin, voilà, quoi. On reviendra pas là-dessus parce qu'il y a certains youtubeurs qu'on n'entend pas et puis qu'on entend plus le son du jeu, donc du coup bah voilà, hein. On en reviendra pas là-dessus, hein. Je l'ai déjà parlé dans une précédente épisode. Enfin bref. Donc allez hop, on refait un ou deux petits andins et puis on se laissera là les gens. Je pense que ça fait déjà une bonne petite vidéo. Hein. Et puis du coup. Et puis si je fais trop longtemps après. Après, vous allez être habitué à faire avoir des grosses vidéos, donc du coup, il faut pas. Parce qu'après, ça prendra encore plus de temps à faire et puis à upload.
Non, je déconne. Faut préserver. Faut préserver. Pour avoir un maximum d'épisodes. Donc elle commence à salir là. Ouais, hein, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, on essaiera de refaire. Cette semaine, j'essaierai de refaire un épisode sur le geek du vieil temps. Ça, je promets rien encore. Ça dépendra si Luc est là ou pas. Sinon, j'essaierai de la refaire tout seul. Mais c'est pas top tout seul. Hein. Il y a déjà assez de passion là qui est tout seul. Donc du coup, j'aimerais qu'avec du vieil temps, ça va à deux. Du coup, j'attends Luc. Mais j'ai pas encore de nouvelles de Luc. Donc du coup, pas de vidéo geek du vieil temps. Ah, c'est triste tout ça. Oh là 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 là. Compliqué tout ça. Hein. Pas facile, pas facile. Tac. Encore une bobotte. Encore une bobotte. Ouais, donc du coup, il faut que je trouve une enlevaneuse qui prenne des bottes de 140 et qui me fasse des bottes de 140. Ça, c'est pas évident à trouver. Pas évident, pas évident. Ouais, je pense que ça doit, il doit y avoir. Faut que je regarde. Faut que je regarde sérieux. De toute façon. La prochaine fois, soit on fera un rubanage, soit il y aura encore du pressage. Ou soit ça sera du semis de maïs. Mais je pense plus de rubanage. Ouais, je pense plus. On verra, ça sera la surprise. Tac. Voilà, arrête-toi. C'est bien. C'est bien tout ça. Allez hop, on remonte et puis on se laissera là, les gens. Tac. Pas combien de bottes il y a, j'ai pas mis de compteur. Ah bah, pas grave, il y en a un paquet, il y aura de quoi remplir les petits plateaux, les petits platés manteaux. Puis il faudra peut-être que j'en achète un. Pour en avoir deux, c'est toujours plus stylé d'avoir deux plateaux. Puis c'est plus courant, quoi, on va dire. Tac. Et voilà. Donc sur ce les gens, bah, j'espère que vous avez apprécié ces petits épisodes de Farming Simulator 2015. Donc du coup n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, hein. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Farming Simulator 2015 sur Passion ou sur Greg Duet en rail. Sur ce, à la prochaine, tchuss. Superbe ce petit village. Et je l'adore. Allez, à la prochaine. Et merde la botte.